4 ans après son lancement, la XE n'a pas vraiment rempli sa mission puisque ses ventes n'ont pas atteint les volumes attendus. Aujourd'hui, Jaguar semble avoir tiré les leçons pour le restylage de sa berline compacte. En effet, on peut dire que la nouvelle XE a eu droit à une mise à jour assez poussée. Esthétiquement, elle bénéficie de feux full LED affinés qui s'offrent une signature lumineuse plus élégante. À l'avant toujours, la calandre devient plus évasée et surplombe désormais des boucliers inédits. Même son de cloche à l'arrière, avec des feux et un bouclier revisité. Le tout donne un coup de jeune à la XE. Jaguar n'a pas chômé à bord non plus. La qualité perçue comme la connectivité progresse d'une manière remarquable. Face au conducteur, on retrouve un nouveau volant et un écran de 12,3 pouces repris de chez l'iPace. La console centrale a été également remise au goût du jour. Comme à bord de l'iPace, elle accueille le système d'infodivertissement à deux écrans. La démonstration technologique se poursuit avec l'arrivée d'un chargeur à induction, d'un affichage tête haute, d'une aide au stationnement, d'un rétroviseur intérieur ClearSight qui permet de diffuser les images de la caméra placée sur le toit de la berline ou encore du Smart Settings, une technologie qui permet de reconnaître le conducteur et sélectionner ses réglages préférentiels. Au rayon mécanique, l'offre se limite désormais à trois blocs, tous des ingéniums et accouplés à une boîte auto à 8 rapports. Le 4 cylindres 2 litres essence donne le choix entre deux niveaux de puissance, 250 et 300 chevaux. Tandis que l'unique offre diesel, un 2 litres là encore, plafonne à 180 chevaux. Son carnet de commandes est ouvert depuis peu en Europe à partir de 43 000 euros. La Jaguar XE restylée ne devrait pas tarder à débarquer sur notre marché. À très vite sur wandaloo.com.